Bon, comme tout va bien avec Chris Lord, on va faire une interview alerte rose. On ne bouge pas pendant le pilage. Vous n'êtes pas baffiste au moins? Non. Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer? D'aimer pour faire l'amour. Vous n'avez jamais fait l'amour sans aimer? À une autre période, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin d'aimer pour faire l'amour. Ouais. Vous préférez une femme qui baise bien mais qui est infidèle ou une femme qui baise mal mais qui est fidèle? Fidélité avant tout. Même si elle baise mal? Mais j'ai pas vraiment le choix, hein. Je peux choisir la fidélité. La fidélité est plus importante que le plaisir? Personnellement, oui. J'ai besoin de me sentir en confiance avec une personne. Vous savez, je voyage beaucoup, donc j'ai besoin de me sentir très fidèle. Pas ruminer. Vous l'emmenez avec vous maintenant? Pas toujours. Pas toujours, d'accord. Est-ce que vous préférez faire l'amour avec 1000 femmes, toujours de la même manière, ou toujours avec la même femme, de 1000 manières différentes? Toujours avec la même. De 1000 manières différentes. Balle neuve, quand même. À vous les trouver, hein. Est-ce que vous préféreriez que Fissler couche avec un autre en pensant à vous, ou couche avec vous en pensant à un autre? Oh, j'adore avoir des choix pareils. C'est pire que la coupe. Vous pouvez répéter, non, s'il vous plaît? Est-ce que vous préféreriez... C'est un sportif. Un sportif tranquille, hein. Est-ce que vous préféreriez que Chris Lord couche avec un autre en pensant à vous, ou avec vous en pensant à un autre? Dans l'embarras du choix, je choisis quand même qu'elle couche avec moi. En pensant à un autre. Et tu voudrais qu'elle pense à qui alors? Pioline. Non mais alors. Non, mais... Pas bien. Est-ce que vous préférez une femme qu'on prend sans la comprendre, ou qu'on comprend sans la prendre? On te laisse 20 minutes. Je crois que les femmes, on les comprend jamais complètement. Si Chris Lord vous propose un soir une partie à trois, vous préférez que le troisième, ça soit un homme ou une femme? Je ne sais pas longtemps, une femme. Une femme. Et elle? J'ose espérer que c'est une femme aussi. Alors, il a épousé une gouine qui baisse mal. J'ai du mal à suivre, moi. Il est fidèle, là. On est fidèle, hein. Elle est fidèle. Est-ce que vous l'avez déjà fait dans l'eau? Oui. Ah oui. Toujours avec Chris Lord, dis donc. Incroyable. Est-ce que vous pensez que rien n'est sale quand on aime? Dans l'eau. À partir du moment où les deux sont d'accord... Oui, mais là, vous êtes trois, si j'ai bien suivi. Non, on est à deux, là. Ils sont plus trois, ils sont retournés à deux. Ils sont à deux dans l'eau, d'accord. Non, ils sont plus dans l'eau. Ah, ils sont plus dans l'eau. Ils sont propres. Ils baissent mal. Non, mais je pense que ce sont deux de fixer les limites, et à partir du moment où... Voilà. Pensez que quand on aime, tout est possible, quoi. Tout à fait. Hein? Ah, dernière question, la pire. Là, c'est la pire, ça, je la crains. C'est la pire. Fabrice Santoro, est-ce que sucer, c'est tromper? Oui. Fabrice Santoro, mesdames, messieurs.